Alléluia. Alléluia. I greet you, Emmanuel. Je vous salue, Emmanuel. If God be with you, si Dieu est avec vous, with a nation, si Dieu est avec une nation qui sera contre elle, téléspectateurs du monde entier, where can we go from his presence? Où pourrons-nous aller loin de sa présence? If you can give your love, si vous pouvez donner votre amour de tout votre cœur, quels que soient les obstacles que vous traverserez, vous triompherez. Si vous pouvez donner votre amour, non pour les raisons égoïstes et matérialistes, donnez votre amour. Si quelqu'un s'élève contre vous et se tient contre Dieu, si vous les saluez, saluez, ne faites pas semblant. Parfois, vous pouvez faire semblant, « Oh, bon après-midi !» Dès que la personne s'éloigne, vous dites, oh, « Regarde cet homme !» Ça veut dire que tu n'avais pas l'intention de saluer. Donnez votre amour avec sincérité de tout votre cœur et vous verrez ce qui va se passer. Aidez pour l'amour de Dieu. Ne donnez pas tout ce dont vous n'avez pas besoin, mais donnez tout ce dont dépend votre propre vie. Plusieurs fois, vous voulez donner des choses dont vous n'avez plus besoin. Vous en avez beaucoup des choses. À partir de votre abondance, vous donnez une petite quantité. Donnez les choses dont votre vie dépend, les choses que vous chérissez. Si vous donnez tout le temps les choses dont vous n'avez pas besoin, pas besoin de cette veste, et tu le donnes. Si Dieu te donne les choses dont tu n'as pas besoin, serais-tu content? Chaque fois, tu dis, Seigneur, bénis-moi, et Dieu te donne. Comment serait la vie alors? Chaque fois que vous priez à Dieu de vous donner quelque chose, Dieu vous donne quelque chose dont dépend votre vie, quelque chose que vous chérissez, ça que Dieu vous donne. Alors la vie est ainsi. Tu es béni pour bénir les autres. Tu es sauvé pour sauver les autres. Non pas que vous ne donnez pas les choses dont vous n'avez pas besoin, vous les donnerez. Mais aussi bien que vous donnez les choses dont vous n'avez pas besoin, donnez aussi les choses dont votre vie dépend, les choses que vous chérissez. Ce n'est pas tout le temps que vous donnez les choses dont vous n'avez pas besoin. Quelles sont les choses que nous chérissons? Vous commencez à le ressentir. Dès que vous le donnez, vous le ressentez. Tu dis, ah, je l'ai donné. Aïe, j'ai besoin de ça, mais je l'ai donné. Oh mon Dieu, j'ai donné ça et j'en ai besoin maintenant. C'est ça les choses dont votre vie dépend, les choses que vous chérissez. Quand vous donnez ces choses de temps en temps, vous êtes prêt pour la bénédiction de Dieu. Si je m'adresse à vous, faites-moi voir vos mains. Vous voulez donner l'argent à un mendiant? Vous prenez la monnaie d'échange que vous avez reçue de la station d'essence? Prenez les choses que vous donnez. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici pour une décision. Une grande décision. Le Saint-Esprit nous conduit à prendre des importantes décisions. Le Seigneur m'a dit que tout ce qui est en vous est une récompense ou une épreuve. Toute chose dans votre vie est soit une récompense ou une épreuve. Tout ce qui vous concerne est soit une récompense ou une épreuve. Toute chose dans ma vie est une rétribution ou un test. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus utilise tout le temps votre situation, mais nous ne le savons pas. Notre problème n'est pas comme celui des autres. On peut avoir des problèmes, mais les autres, leurs problèmes, c'est pour les détruire. Si leurs problèmes sont dus à leur péché. Mais les nôtres ne sont pas dus au péché. En tant que chrétien, quand tu as des problèmes, ça peut être pour te préserver pour le voyage qui est devant toi, ou pour fortifier ton désir pour Dieu, ou pour t'arrêter un instant, pour te préparer pour le voyage devant toi. Jésus souvent utilise nos situations pour nous qualifier pour une bénédiction. Jésus souvent se sert de notre problème pour nous qualifier pour une bénédiction. Je ne vous entends pas. Répétez. Quel que soit ton problème, le cancer ou ça, ou ceci ou cela, quoi que cela puisse être, la maladie, c'est la maladie. Si vous êtes malade en tant que croyant, cette maladie peut être utilisée
pour te qualifier pour une promotion. Il n'y a rien de quoi paniquer. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont malades, ils commencent à murmurer, à dire, « Ah, c'est à cause de mes péchés. Dieu n'entend plus mes prières. Je ne suis pas un chrétien. » Beaucoup de choses se passent dans leurs pensées et ça affecte leurs relations. Beaucoup quittent leur position à cause de cela. Si vous faites face à un problème, regardez cela comme une opportunité pour montrer aux autres que Dieu apporte ce qui est bon à partir des situations négatives. Cela veut dire qu'il y a la bonne santé dans la maladie. Cela veut dire qu'il y a la bénédiction dans la pauvreté. Cela veut dire qu'il y a un rendez-vous dans la déception. En tant que chrétien, si vous faites face à une situation, regardez cela comme une occasion de montrer aux autres que Dieu souvent apporte le bien à partir des situations et des circonstances difficiles. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, lorsque vous faites face à des crises, les gens ne se voient même plus comme des chrétiens quand les crises arrivent. Les gens ne se voient plus comme des enfants de Dieu. Comme ce fut le cas entre Job et sa femme. En tant que croyant, en tant que chrétien, prenez note, si vous traitez un problème, vous faites face à des circonstances. Voyez cela comme une opportunité pour montrer aux autres que Jésus-Christ, Dieu, apporte ce qui est bien à partir des situations mauvaises. La bonne santé vient de la maladie. La bénédiction de la pauvreté. La vérité du mensonge. La lumière provient après les ténèbres. Telle doit être votre position maintenant. Cela veut dire, vous pouvez être malade et être un ami de Dieu. Un homme peut être malade de corps et cependant être un candidat au ciel. Dis à ton voisin, un homme peut être malade in body, en corps, a man can be poor, un homme peut être pauvre, I can't hear you, je ne vous entends pas, yet, et être encore God, un ami de Dieu, un candidat au ciel. Yes, that's it. Voilà.